C'est le destin. C'est le destin. Et depuis mon premier album, Moussolou, les Maliens de France m'ont invité. Donc je suis allée, j'ai donné un spectacle comme ça. Il y avait deux Hollandais qui étaient venus en France en vacances. Ils sont venus voir mon spectacle. Ils ont tellement aimé le spectacle. Après le spectacle, ils ont tout fait pour venir me voir dans les loges. Ils disent, ça c'est quel genre de musique? C'est notre première fois de voir. C'est super, c'est excellent. Nous sommes des Hollandais. On est de passage en France. J'ai dit, ah ok, ça c'est la musique malienne. Ça c'est la musique du Wassoulou, le sud du Mali, l'extrême sud du Mali. Donc du coup, et ils sont allés donner mes contacts à un très grand tourneur qui cherchait à me voir. Wim Westerwelle, il cherchait mon contact. Il a eu mes contacts avec ces deux Hollandais. On a travaillé pendant 10 ans ensemble. Donc tout a commencé par là. Au début, ce n'était pas trop facile. Style Kamilingoni que je fais. Mais ce style Kamilingoni créé par les jeunes pour leur épanouissement, c'est tellement riche qu'il ne se limite pas de Kamilingoni seulement. On chante toutes sortes de chansons du Wassoulou. On chante des chansons des chasseurs, on chante des Sogoningou, on chante toutes sortes de chansons du Wassoulou. Donc le Kamilingoni est devenu incontournable dans la musique du Wassoulou, on peut dire dans la musique du Mali. Je vois les mandingues, tout le monde utilise le Kamilingoni parce que c'est un instrument diabolique. Le Kamilingoni peut donner toutes sortes de sons. Il peut jouer le reggae, le ragga, le blues, le jazz, le Kamilingoni peut te sortir tout ça. En fait, moi, je fais pas l'album tous les 2 ans. Je suis aujourd'hui à mon huitième album. Quand même 30 ans de carrière, 8 albums. Quelque chose comme ça. 8 ou 9, pas plus. Beaucoup de concerts. Beaucoup de tournées. J'ai tourné sans stop. Donc, des fois, je n'avais même pas le temps de me concentrer pour faire d'autres albums. Et j'ai fait aussi d'autres business. Ça, ça peut être quelle chanson? J'aime beaucoup Iyo Djeli. Il y a une chanson que j'évoque la souffrance de ma maman beaucoup dedans. Iyo Djeli est une vieille chanson que j'ai prise et le transformer à ma manière. C'était chanté par une griotte très célèbre, Djekani Djeli. Et moi, j'ai pris cette chanson, je l'ai dédiée à elle-même. Parce qu'elle a chanté dans le temps, c'était oublié. Et je suis allée fouiller et j'ai sorti, je l'ai retravaillé. C'est comme une poésie, le Iyo Djeli, parce que j'évoque beaucoup de choses dans Iyo Djeli. Dans Iyo Djeli, je m'adresse à la population en leur disant que c'est la patience qui est une clé d'or. C'est la patience peut avoir tout, sabari. Donc, dans la chanson même, je dis que je suis allé demander Dieu. C'est Dieu qui a amené 3 choses. Il a dit, bon, Oumu, prends une seule chose. J'ai réfléchi, j'ai pris la patience. Quand j'ai pris la patience, toutes les autres choses ont suivi la patience. C'est-à-dire, Kone wole masala bara kakan son fin de la ala bole siri kaboni denye kasabari lo kanye jinitala kone noye sabarita kona mfulote mara fimini sabari kone noye sabarita kuulo deninte mara fimini sabari kone noye sabarita
Ali jamana te mara savari ko kone noye savari tala. Ça veut dire dans la vie, si on a la patience, on va tout avoir. Vous oubliez les chants que j'adore beaucoup, je viens du chant. Depuis 1990, j'ai commencé à sortir du pays. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de grands artistes. Ils font autre chose que la musique. Ils font des business, ils créent leurs petits trucs. Ils sont dans l'hôtellerie, ils créent leurs marques. Donc je me suis dit, waouh, c'est vrai, ils sont peut-être plus riches que moi. Mais je peux les copier. J'ai créé mon petit hôtel pour montrer l'exemple, montrer aussi qu'on peut faire autre chose que la musique. Donc j'ai essayé, certains ont réussi, certains n'ont pas réussi. Mais c'est ça dans tous les business d'ailleurs. Actuellement, on vend beaucoup en ligne. Les grandes maisons de disques, hein, ils vendent beaucoup en ligne, mais c'est difficile, ce n'est plus comme avant. Festival Guinawa à Essaouira, j'ai beaucoup participé. La propriétaire du festival est une grande amie, Neila. Et le mariage du roi Mohamed. Mohamed VI, j'étais à Paris, donc on m'a invité, moi et tout mon groupe. On est venu, il y avait beaucoup de cérémonies. Nous aussi, on nous a fait jouer au moment du mariage. Donc, ça, c'est des souvenirs. Quand je suis au Maroc, vraiment, à cause des Guinawa, je me sens tellement à l'aise. Tout le monde a compris que c'est la paix et qu'il faut la paix dans ce pays. La guerre ne nous rapportera rien, ne nous amènerait nulle part. Tu vois, il faut qu'on se pardonne. C'est ça que je chante beaucoup dans la chanson La guerre. Il faut qu'on se pardonne. Dans la vie, tout le monde peut faire l'erreur, mais il faut qu'on sache qu'on est des frères et sœurs et que les Maliens se pardonnent. Qu'on se donne la main et qu'on se lève pour travailler dans ce pays-là. Personne ne va venir construire ce pays-là à notre place. Ils vont venir nous aider à détruire, mais pas à le construire. Si on a ça dans la tête, on va pardonner beaucoup de choses et se donner et se diriger vers une seule direction. Kaé Kamé, Kaé Kamé, Jamana Koka. Ne ma siginae mbekele jugu ni nyela maliba ko fede nga ne ma siginae dongelense kabeji nga sodondola eni jomasa ko bejurubila ni sabali masa e ko bejurubila la paix la paix. Merci.